Le village des recruteurs de Villeurbanne, 5e édition. Parmi les secteurs qui recrutent, on l'a vu, il y a le bâtiment, il y a l'informatique, mais il y a également la restauration. On est avec Fatima Lamiri, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de recrutement pour Burger King. C'est ça. Alors vous recrutez carrément pour un restaurant en entier. Complet, quoi. C'est exactement ça. Donc c'est-à-dire une quarantaine, cinquantaine de postes. Alors, à pourvoir aujourd'hui. Une soixantaine de postes à pourvoir aujourd'hui. On a déjà démarré les recrutements il y a quasiment 2 semaines pour les postes d'employés polyvalents de restauration. Un petit peu plus pour les postes de manager, parce qu'ils ont une formation de 2 mois à suivre. Donc il faut les recruter bien en amont pour vraiment que la date de fin de formation correspond à la date d'ouverture du restaurant. Mais 60 employés polyvalents de restauration, on est à la recherche. Oui. Vous dites employés polyvalents de restauration. Le maître mot chez vous, c'est la polyvalence, hein. C'est ça que vous recherchez. C'est ça. Alors, dans un premier temps, quand on fait les recrutements, quand on fait les entretiens avec les individus, alors eux postulent pour un poste de polyvalence. C'est ce qu'on attend dans les mois à venir après l'ouverture d'un restaurant. Mais c'est vrai que dans un premier temps, on essaie tout de même de les mettre le plus à l'aise possible. C'est pourquoi en entretien, on leur demande s'ils ont une préférence pour la vente. Dans ces cas-là, on les met au comptoir. Ou s'ils ont une préférence pour la partie cuisine, où là, on les met en cuisine. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des critères d'âge? Pas du tout. C'est ouvert vraiment à toute personne. On recrute des mineurs. On recrute. Alors, la majorité des personnes ont entre 18 et 30 ans, mais on a recruté pour gratte-ciel une personne de 51 ans. Il n'y a aucun souci. Des mineurs aussi? Oui, à partir de 16 ans, on peut recruter des individus. Et ce sont de très bons profils, les mineurs. Parce qu'en général, quand on a 16 ans et qu'on veut travailler, c'est bon signe. C'est ça, pour vous, c'est un critère important, d'avoir des gens en face de vous qui ont envie, quoi. C'est ça, exactement. On recrute, on recrute vraiment sur la motivation et sur également la possibilité à travailler dans un environnement comme la restauration rapide. C'est-à-dire que si déjà on postule et qu'on sait qu'on a des maux de dos ou qu'on a un problème pour se déplacer ou pour tenir debout sur plusieurs heures, c'est vrai que ça va poser un souci. Mais si il n'y a pas de problème à travailler sur plusieurs heures ou à se déplacer et qu'en plus on est motivé à intégrer une enseigne comme Burger King, c'est vraiment ouvert à toute personne et d'autant plus qu'on propose un parcours de formation au préalable. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir à se dire « j'ai pas les compétences, pas de problème ». De la disponibilité, j'imagine aussi, oui. Pas mal, ça fait partie des critères de base aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai, pourquoi? Parce que Burger King est une enseigne de restauration rapide et les restaurants sont ouverts tous les jours, 365 jours sur 365. On a des horaires de travail. Alors, en moyenne, on commence à 7 h du matin. Il faut savoir qu'on travaille sur des produits frais et qu'on a toute la partie mise en place de la cuisine avec la découpe des ingrédients au préalable. Donc, je vous dis ça, tous les matins, on réceptionne des cagettes de tomates, des filets d'oignons. C'est nous qui faisons le nettoyage de ces ingrédients et la découpe. Donc, forcément, ça prend plus de temps. Et donc, on a des personnes qui commencent à 7 h du matin pour faire toute la préparation de ça. Et on a des personnes qui finissent jusqu'à minuit et demi, 1 h pour toute la partie nettoyage du restaurant. Après, ça n'empêche qu'on s'adapte à des personnes qui ont des contraintes horaires comme j'ai foot tous les lundis de 18 h à 20 h. On sait qu'on ne va pas les positionner à ces plages horaires. Donc, on sait également s'adapter. On sait également adapter nos horaires aux pères ou mères de famille. Qui doivent emmener les enfants à 8 h du matin. Donc, on sait qu'on ne peut pas les faire démarrer avant 9 h. Pour ces gens-là, on leur propose surtout des contrats d'ouverture. Donc, ils travaillent entre 9 h et 16 h. Donc, 9 h pour qu'ils aient le temps d'accompagner leurs enfants à l'école. 16 h pour qu'à la sortie d'école, ils soient présents pour leurs enfants. Et intégrer Burger King, c'est une bonne école pour évoluer, que ce soit en interne ou en externe. Carrément. Alors, dans le recrutement, et les recruteurs vous diront que si vous avez fait 6 mois dans la restauration rapide, c'est tous les recruteurs quasiment vous recrutent pour travailler dans la vente, pour travailler dans la production, dans la logistique. C'est des métiers qui sont difficiles, difficiles.
Donc on sait que si une personne a tenu 6 mois et qui a su gérer son stress, gérer la pression, gérer un flux de clientèle qui est extrêmement important, ce sont des personnes qui peuvent tout gérer dans n'importe quel domaine, quoi. Y compris en interne, ça marche l'évolution interne chez Burger King ? Surtout, on a une évolution interne. On a tout à gagner à faire évoluer les personnes en interne. Pourquoi ? Parce que c'est des personnes qui connaissent déjà la politique de l'entreprise, de l'enseigne. C'est des personnes qui ont déjà les compétences, donc qui n'ont pas un temps d'adaptation à avoir. C'est des personnes qu'on connaît, donc on a déjà validé le savoir-être, on a déjà validé, voilà. Et après maintenant, il faut les former sur le management et il n'y a pas de souci à ça. On a des formations en interne pour et ça marche très bien comme ça. Une dernière question, pour vous le profil idéal, finalement c'est plus une personnalité qu'une personne qui est diplômée dans la restauration, l'hôtellerie-restauration ? C'est exactement ça. On va vraiment rechercher, comme vous l'avez très bien dit, des personnalités, des personnes qui sont enthousiastes à l'idée d'intégrer une enseigne qui est jeune. C'est vraiment Burger King renvoie vraiment une image de on est jeune et dynamique. Alors quand je dis jeune, c'est pas par rapport à l'âge, c'est vraiment par rapport à l'état d'esprit. On a une très très bonne ambiance de travail. C'est vrai que c'est une personnalité qu'on recherche, c'est un savoir-être, c'est des gens qui, quand ils se lèvent le matin, sont contents d'arriver chez nous, quoi. C'est tout simplement ça. Alors justement, juste pour terminer en deux mots, très rapidement, un conseil pour les candidats ici, parce que c'est la première impression, on dit, qui marche souvent. Oui. C'est quoi ? C'est venir souriant, c'est tout de suite avoir connaître l'entreprise. C'est quoi le conseil que vous pourriez donner ? Alors, pas connaître l'entreprise, pas forcément en tout cas. Pourquoi ? Parce que on s'est fait connaître par les personnes, grosso modo en 2015, avec le rachat de Quick, exactement. C'est vrai que les gens, alors ils connaissent Burger King bien évidemment parce qu'on a déjà quelques restaurants sur le territoire lyonnais, mais c'est vraiment déjà avoir l'envie de travailler pour nous tout simplement. Mais ça passe par quoi ? Par le sourire, par une démarche volontaire ? On recherche des bons commerçants, donc forcément le sourire c'est primordial. Avoir un bon savoir-être, c'est avoir une élocution adaptée à l'environnement de travail, avoir une posture adaptée à l'environnement de travail et pas arriver avachi ou autre. C'est vraiment être motivé et se dire je suis content de venir au village des recruteurs pour rencontrer des recruteurs et donnez-moi la possibilité de vous rencontrer, j'ai le sourire, j'ai la pêche, je suis content de vous voir, soyez vous-même et voilà quoi. C'est uniquement ça. C'est aussi simple que ça. On espère que vous allez rencontrer plein de candidats souriants aussi et volontaires ici au village des recruteurs de Villeurbanne. Merci beaucoup. Merci Fatima Lamiri. On se retrouve dans quelques instants pour une prochaine interview ici au village des recruteurs.